Bonjour, une petite vidéo à propos de l'émission musicale qui commence lundi à 17h. Je t'avais proposé de me donner un nom pour nommer cette émission musicale. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de propositions. Ce que je te propose maintenant, c'est de voter. Voter pour le nom que tu préfères. Alors, tu vas voir, il y a une liste assez impressionnante. Mais tu vas tout de même devoir choisir. Donc, je vais te donner la liste des noms. Et après, je t'indiquerai comment tu peux voter directement via un petit questionnaire qui met 30 secondes à remplir, sauf si tu hésites pendant 2 heures pour choisir le nom. Enfin, il ne faut quand même pas hésiter, à mon avis, pendant si longtemps. Donc, je vais te lire la liste des noms, sachant qu'il va y avoir des cadeaux à gagner. Donc, tu le savais peut-être déjà, celui qui a proposé un nom qui sera retenu par l'ensemble des votes gagnera un cadeau. Mais je rajoute un cadeau à ce vote. Si tu votes pour le nom qui est majoritairement choisi, eh bien tu gagnes également un cadeau. Le principe est très simple. Tu votes pour le nom que tu préfères. Tu te dis, ok, si cette émission musicale s'appelait comme ça, ouais, ce serait génial, ce serait top. Ok, je vote pour ce nom, c'est ce qui me plaît le plus. Alors voici les deux cadeaux. Premier cadeau, si tu votes pour le nom qui a été majoritairement choisi, c'est-à-dire celui qui a recueilli le plus de votes, tu gagnes un cours privé de 30 minutes avec moi, entièrement offert. Un cours privé de 30 minutes. Si maintenant, le nom qui a été choisi est celui que tu avais proposé, ou un de ceux que tu avais proposé, puisque certains m'ont proposé plusieurs noms, donc si c'est toi qui as choisi ce nom, eh bien, tu remportes un bon d'achat de 70€ à valoir sur un cours à 99€ qui te permet d'apprendre à jouer un morceau à l'harmonica. C'est un cours en vidéo, en 7 étapes. C'est l'équivalent de 6 heures de cours particulier. Donc, ce sont des vidéos préenregistrées qui te permettent de partir du déchiffrage de la partition et de la tablature jusqu'à l'interprétation et même jusqu'à l'improvisation. Et à l'issue de cette formation en 7 vidéos, tu as la possibilité de réserver un cours offert de 30 minutes avec moi pour améliorer l'interprétation de ton morceau. Donc, c'est un bon cadeau. C'est-à-dire qu'au lieu de payer ce cours 99€, il ne te coûtera que 29€. Donc, je répète, si tu votes pour le nom qui a été majoritairement choisi, tu gagnes un cours privé de 30 minutes avec moi. Et si tu votes pour le nom que tu avais proposé, tu gagnes un bon d'achat de 70€ à valoir sur un cours à 99€ pour apprendre à jouer un morceau à l'harmonica. Attention, voici la liste des noms proposés. Certains ont eu beaucoup d'imagination. Alors, les voici. Comment s'évader ? Diato ou chroma pour toi ? Bon, diatonique et chromatique. Il y a plusieurs types d'harmonica, notamment les diatoniques et le chromatique. Du mi au sol. Écho des dodos. Ça, c'est très bizarre. Harmonété. Oui, car l'émission musicale va durer tout l'été. Armo Hebdo, Armo Show, très bon jeu de mots sur Armo Chopin, Armon Hebdo, Armoniac, Armoniaquement Vôtre, c'est pas facile à dire, Harmonica Ears, donc les oreilles hein, en anglais, Harmonica Lips, les lèvres, Harmonica Musique Chopin, Harmonicalement Vôtre, Chopin ou pas, bon, ça c'est peut-être quelqu'un qui aime pas trop la musique de Chopin, Harmonoise, ça j'ai pas compris, mais pourquoi pas. Harmo-onde, bon, je connaissais le micro-onde, mais pourquoi pas l'harmo-onde. Jouer soufflé pour mon plaisir, l'harmo pour le dire, l'harmonica dans tous ses états, l'harmonica pour les dingues-dingues, c'est très bizarre ça. La 4 aspirée, très original. La Carbonara, bon ça c'est un jeu de mots sur mon nom de famille parce que je m'appelle Carbono. La Magie des Armos, les 7 Armos Capitaux, parce qu'il y a 7 notes dans la gamme majeure. Les Étés de l'Harmonica, les Armofolies 2022, ou Armofolies, on peut dire les deux. Les Mystères de l'Harmonica, ça me rappelle une série télé ça, les Mystères de l'Ouest. Music Armo Hebdo, Musicalement Vôtre, ça me rappelle une autre série télé, Amicalement Vôtre. Music Harmonica, Salut l'Harmonica, Souffler n'est pas joué, Star Monica Demi, Sweet Harmonica, Top Music, Vibre Armo Hebdo, Vibre Harmonica et You Harmonica Tube.
Alors, pour faire simple, plutôt que me donner ton vote en commentaire de cette vidéo, ça va être difficile à gérer si tout le monde vote. Après, ça fait beaucoup de choses à recopier, à classer, etc. Donc moi, j'ai préparé un questionnaire. Donc, je vais te donner le lien. En fait, là, ce que j'ai lu, c'est justement le contenu du questionnaire. Donc, ça te prend 30 secondes à le remplir. Il suffit simplement que tu indiques ton prénom et ton adresse email, évidemment, pour que je puisse te recontacter afin de te donner les résultats et tes cadeaux si peut-être que tu vas avoir les deux cadeaux. Le nom que tu as choisi, c'est celui qui a été majoritairement choisi et qu'en plus, c'est le nom que tu as proposé, tu gagnes les deux cadeaux. Ça me permettra de te recontacter pour te dire si tu as gagné un ou deux cadeaux. Et donc, je vais te donner le lien. Alors, le lien, c'est simple. Tu vas regarder dans la description de cette vidéo. Tu vas trouver le lien sur lequel cliquer pour pouvoir voter. Et donc, tu recevras aussitôt un email pour dire que j'ai bien reçu ton vote. Comme ça me permet aussi de voir si tu as bien enregistré ton adresse email parce que certains parfois font des fautes de frappe. Si au bout de 10 minutes, tu t'aperçois que tu n'as toujours pas reçu mon email de confirmation, c'est que tu as sans doute mal renseigné ton adresse email. Dans ce cas, tu m'envoies un petit mot et puis je corrigerai ton adresse email. Okay ? Alors les résultats, c'est dimanche à 20h puisque l'émission, c'est lundi à 17h. Donc pour que je finisse de préparer l'émission, il faut que j'ai le nom avant lundi, évidemment. Dimanche 24 juillet à 20h, je te dévoilerai le nom de l'émission musicale du lundi. Bon vote, bonne chance, à très vite !